Command is primary ignition. La destruction de l'étoile noire est une victoire incontestable. Mais plusieurs garnisons impériales ont échappé à l'explosion et leurs modules se sont écrasés sur la planète. Ils ont reformé leur rang et se dirigent vers notre base pour nous attaquer. Nous devons éliminer tous les impériaux avant de célébrer la victoire. Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Star Wars Battlefront. Nous avions donc fini la campagne, la partie de l'Empire pour la conquête, pour la guerre civile galactique, et donc maintenant nous en sommes pour les rebelles. Voilà, nous allons contrôler les rebelles. Et donc on est toujours sur Yavin 4, car la base de Yavin 4 n'est désormais plus sûre. Une force de frappe impériale se dirige vers le Grand Temple. Retarder les impériaux pour permettre au gros de nos troupes de s'échapper. Utiliser l'avant-garde pour poser des mines dans les voies d'accès au temple. Oh, faut poser des mines, ok. Ce qui est bizarre, c'est que juste avant, on avait fait une partie sur l'épisode précédent, on avait terminé sur une partie sur Yavin 4 avec l'Empire qui gagnait sur Yavin 4. Et donc là, est-ce que ça va être la partie rebelle et les rebelles aussi gagnent, et ça va être quoi? Attendez, donc. C'est pas la même map, j'ai l'impression. Oh, on peut prendre les Wookiees et tout. Ah, ouais. Ah oui, ça par contre, c'est la map de Battlefront 2, ouais. Parce que la map précédente qu'on avait faite dans l'épisode précédent, c'était pas la map de Battlefront 2. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah, ils sont tous comme des fous furieux en train d'essayer de prendre le poste. Un Enmar. Là, je me casse. R, il part. Voilà. Ouh, il a évité au dernier moment. Ayo! On peut pas tirer en l'air, c'est con. Sur la grenade. Loul. Edgar. Ah oui, il y a un poste qui est là-dessus sous le pont. On va aller prendre le poste qui est à côté. Eh, c'est bien, t'as pris la tourelle. Continue comme ça, mon vieux. Wow, 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 wow! Wow! Putain, mais il veut pas grimper! Mais loul! Mais t'es gogol! Putain, t'es même pas su grimper sur ça! On va voir ce qu'ils veulent, les Wookiees. Par contre, ils sont lents. Hein. Oh putain! Mais gros, c'est pas parce que tu fais 2m50 et que tu pèses 200 kg que t'es plus lent. C'est le con. Enfin, je sais pas, normalement, c'est le contraire, tu veux être rapide. Edgar. L'ennemi s'est emparé d'un poste de commandement. Non, mais quoi? Il a pas plus de vie que les autres, le Wookiee? Ça m'étonne que je me fasse rect aussi rapidement, en fait. On va les avoir, hein. J'ai confiance au Wookiee, par contre je suis vraiment étonné de mourir si rapidement, c'est vraiment abusé. Faut que je fasse gaffe. Oh putain. Youh, je me fais avoir par tous les côtés. Lol, c'est vraiment compliqué. Hein. Oh là là, mais je suis tout seul aussi. En plus, on a du retard sur. On a moins d'unités que ceux de l'Empire. Faut y arriver, faut qu'on prenne les postes. Ennemi repéré. Bon, il va falloir m'aider, les gars, parce que là, je suis tout seul en fait. Oui. Oh la grenade. En fait, j'ai l'impression. What? Attends, mais je comprends pas comment je suis mort là. Je sais pas comment je suis mort. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Allez, on a pris le poste, c'est bien. Maintenant, faut continuer à progresser. Bon, il a évité mon tir. Ennemi droit devant. Suivez-moi. Attention. Allez les gars, on progresse. Allez, go, go, go. Couvrez-moi. On y va. On y va les gars. Ouais, je me fais rect là. Putain. Ouais, le truc c'est que quand je fais la roulade, il recommence à... Ah mais j'ai plus de munitions en fait. Mais loul. Putain, j'ai mis 30 ans à capter que j'ai plus de munitions. Et il a aucune munition en fait. Ouais, c'est chaud quand même, une classe de merde comme ça. Ça sert à rien d'avoir de prendre cette classe s'il n'y a pas assez de munitions quoi, c'est con. Il y en a un qui va essayer de prendre le poste sur le côté là. Il est où? Il est là. Wow! Wow! Let's go! Mais tu fais quoi mec? Le mec il était à côté là, il tirait pas sur le Stormtrooper là. Oh, c'est bugué. Pas bugué, c'est juste la caméra qui est Google. Loul. On va perdre cette partie. Ils ont 20 unités d'avance, putain. Prendre de la vie. Mais loul, à peine je prends de la vie. Mais loul, mais c'est quoi cette merde? Je peux rien faire. Je me fais rect en 2-2. Ça va être très compliqué, on a 25 unités de retard. On fait que prendre du retard, quoi. La défaite est proche. What? Mais quoi? Il s'est passé quoi? J'ai rien compris. Putain, je suis salé parce que là, c'est chaud. On peut perdre, là. Putain, on est plus que 16. Putain, je vais devoir faire un massacre. Bon, arrêtez de bouger, là, putain. Et loul, je peux pas l'attaquer parce que, voilà, il se fait du... Oh là là. Mais loul, genre ça touche pas. Je vais mourir. Je me casse. Putain, on est plus que 6. Qu'est-ce que tu fais là toi? Mais lol. Mais lol. Mais non, on a perdu. Putain, mais je sais même pas ce qui me tue à chaque fois. Je sais pas pourquoi je suis mort. Je sais pas pourquoi je suis mort. Regardez, j'ai carry tout le monde, j'ai tué 46 unités. Mais loul. Même en tuant 46 personnes, ça marche pas et on perd. Mais bordel. Bon, en tout cas, on peut pas dire que la résolution de la planète soit très élevée. C'est un peu pixelisé, on va dire. Ouais. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de continents sur Evin 4, dis donc. Il y a tout ça de continents et très peu d'océans. Ça veut dire que la température de la planète doit être... abusément élevé à mon avis. On va spawn ici, on va se dépêcher. On va prendre le poste tout de suite. Ils arrivent. Là, on prend le poste. On a pris un poste de commandement. Déjà ça, on a pris le poste. Et pour bien engager la partie, c'était important. Allez, baisse-toi, Melou, il se baisse pas, Meloul, mais voilà. C'est toujours la même histoire. La commande pour s'accroupir qui répond pas. Regarde, j'appuie sur la touche pour s'accroupir, il répond pas. Par contre, si j'appuie deux fois, là, il se baisse. Ben, c'est vraiment bizarre. Hein. Et je sais pas, il est pas codé le jeu. C'est bug de l'émulateur, j'en sais rien. Attention. Quoi? Oh, c'était what the fuck? Quoi? Y a un fou furieux en moto là. Elle pour toi, Ataoy. On voit les rectors. Il y a un fou furiard qui me tire de ça. Ouh, il s'en va. Il a eu peur. Ah, il me tire de ça. Il me tire de deux sœurs. Cool. Allez, on va prendre le poste suivant. Pas le temps de niaiser. Par contre, on a déjà des unités de retard, ça veut dire. La technique pour ne pas avoir trop d'unités de retard, c'est de prendre les postes.
What? Je me suis fait tuer d'où? Ah d'accord. Il y avait un mec à côté de moi depuis le début et puis... Et puis tout à coup il a dit, oh tiens il y a un mec. On a perdu un poste de commandement. Mais me faites pas spawner au niveau des murs. Leur renfort, oh non, mais ils sont en train de pendre. Miloul, je prends un poste, ils en prennent l'autre. Miloul. On va encore la perdre cette partie. Ah, putain, ça va être galère. On va encore perdre la partie. En pire. Attends, quoi? Je me suis fait one shot. Oh là là. Je peux pas aller là-bas, il y a trop d'ennemis. Faut vraiment reprendre ce poste. L'ennemi s'est emparé d'un poste de commandement. Cible verrouillée. Eh oui, évidemment. On prend tous les postes. Miloul, mais aidez-moi aussi, les gars. Allez, vous faites quoi? Allez, aidez-moi. Je suis tout seul, putain, pour prendre les postes. Vous branlez quoi, putain? Il y en a un qui a spawn, c'est ça? Mais non, genre, je me suis éloigné du poste un petit peu. Résultat, je dois tout reprendre. T'es con. Cible verrouillée. Ennemi repéré. Allez, il y a un ennemi, je vais mourir. Putain, mais il spawn ce con. Regardez, on a 20 unités de retard, bordel. C'est beaucoup trop. On a pris un poste de commandement. Couvrez-moi tout de suite, chef. J'ai dit de me suivre. Pas de d'aller, je sais pas où vous voulez, au camping là. Allez, on va prendre le poste. Allez, crève, putain! On prend le poste, allez. What? Et j'ai pas perdu de vie? Oh putain. On a pris un poste de commandement. C'est le véhicule là-bas qui me fait chier. Oh, y a tellement de monde. Oh là là. Si je reste plus longtemps ici, ça va mal se passer pour moi. Ouais. J'ai plus beaucoup de vie. De la vie. Elle est où la vie? Ah non, ils ont détruit le droïde. Oh merde. Non, je peux pas changer de classe. Yes. Il y a tellement de monde qui sont là. Allez les gars, faut spawn ici. Faites quoi là? Il y a trop d'ennemis. Oh là là. Allez, il a pris. Oh putain. De la vie. Vraiment proche du poste là. Là c'est très serré, c'est 33 à 37. Heureusement qu'on est venu prendre ce poste, sinon on se serait aussi niqué. En fait c'est vu qu'ils avaient moins de postes du coup, les ceux de l'Empire, et ben du coup ils perdent des unités automatiquement sans qu'on les tue particulièrement. Vu qu'ils ont moins de postes, ils perdent des unités. C'est très serré. On va voir combien de kills on a fait à la fin de la partie. J'ai plus de vie, putain. Y a pas un droïde de soin là-bas? Si, y en a un là-bas. Et y en a un derrière moi qui me suit. Wow! On tire d'où dessus là? Allez, voilà. Ils sont plus que 5, on est assez bon, on a gagné, ça y est. Il est où le dernier? Ben, voilà, victoire. 36 kills, on en a fait moins que la partie précédente, hein, je crois. Et pourtant, ouais, grâce au poste qu'on a pris, voilà. L'Empire a découvert la base Echo. Nous devons repousser leurs troupes le plus longtemps possible et protéger le générateur de boucliers. Retardez-les jusqu'à ce que l'évacuation soit terminée. L'Empire a trouvé notre nouvelle base sur Hoth, bien sûr. Retardez les impériaux pour nous permettre d'évacuer la base. Dans le film, quoi. Défendez le générateur de boucliers à tout prix. Utilisez les câbles de remorquage des speeders des neiges pour faire tomber les TBTT. Ah ouais. Primary target will be the power generators. Echo!
Echo Station 3TA. We have spotted Imperial Walker. Imperial Walker's on the north bridge. Quand même, ces scènes de film, c'était incroyable pour l'époque. Hein. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'était complètement abusé, tellement c'était bien hein, pour l'époque. Hein, des effets spéciaux pareils, c'était nouveau. Enfin, j'y étais pas, mais quand même, c'est impressionnant. Le commandant Skywalker a rejoint la bataille. Défendez le générateur de boucliers. Grimpez ! Grimpez ! Ok. Il y en a un qui est monté. Le transport 1 est parti. Ok, faut pas que je me trompe dans les touches. C'est vraiment compliqué les contrôles, je suis pas habitué à la manette. Non, je me trompe dans les touches, putain, mais c'est trop compliqué. J'arrive pas avec le joystick, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai inversé la clé Y, mais de base c'était... Je sais pas... Non, c'est pareil, c'est toujours pareil. En fait, pour moi, le contrôle intuitif, il faudrait que... Défendez le générateur de bouclier. C'est trop dur. Et Loul, voilà, j'y arrive pas. Mais putain, c'est trop compliqué. Leurs renforts sont en train oh là là, j'arrive pas. Non, mais c'est inversé, mais putain! Je vais pas y arriver. Ouais, c'est bon, j'y suis arrivé. Quoi? Il s'est pas effondré? Cool. Il s'est pas effondré. Voilà, ben, ok, super. On a 182 unités, ils en ont 234, on peut recommencer. C'est impossible hein, à rattraper. En fait, je vous dis, pour moi, si c'était normal, les contrôles, quand tu fais le joystick vers le haut, il devrait descendre, pour moi, et inversement. Et pour moi, ça devrait être ça, sauf que c'est pas du tout ça, c'est contraire, et moi, j'y arrive pas comme ça. Dire quand je contrôle un perso, tout ça, quand je monte le joystick, c'est normal. Mais pour contrôler la visée, c'est normal. Mais pour contrôler de monter ou le fait de monter ou descendre en l'air, c'est pas intuitif pour moi. Des ennemis là-bas, attendez. On a pris un poste de commandement. Là que vous réalisez que les contrôles à la manette pour la visée, c'est compliqué. Ma manette n'est pas très bonne pour viser tout ça. Attendez, mais en fait, c'est juste que de base, on a beaucoup moins d'unités, non? What? En fait, ça tire deux roquettes en même temps. Pratique que ça tire deux roquettes en même temps. On va le finir. Report. Il me reste plus beaucoup de munitions là. Allez, on va chercher des munitions. Yes, ça marche. C'est pratique que ce soit tête chercheuse comme ça. Yes, on va le détruire. Ah, c'est bon, il est rect. Par contre, j'ai vu un bonhomme là. Enfin, un iguane ou je sais pas quoi. Un iguane, lol. Ah bon, on peut tirer là-dessus. Bruh. Défendez le générateur de boucliers. C'est bon, il est détruit. Bon, cette partie va être compliquée. En fait, c'est surtout qu'ils ont aucun poste, c'est pour ça qu'ils perdent des unités. J'avais pas fait gaffe, j'ai recommencé la mission alors qu'en fait j'aurais pu la continuer comme un con. Allez, meurs.
Il a surchauffé mon pistolet. Par contre, c'est Luke Skywalker, ça, non? Ouais, c'est Luke. Go, Luke. Go, Luke. Go, il me renvoie les tirs. Ah ouais, d'accord, et en fait, il est invincible. Ouais. Wow, 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 wow. Loul, je suis mort comment? Avec un Jacques Cheminade qui me tire dessus. C'est un saccage humain. Je ne peux pas le tolérer. Attends, mais wow, pour tourner, c'est lent. What? Ah ouais, c'est lent pour tourner. Hein. Oh là là, c'est beaucoup plus rapide dans Battlefront 2. Oh putain, oh là là, cette planteur. Terry part. Ouais, il est fusionné dans la neige, lui. Ennemi en vue. C'est quoi, je descends là? Ah ben là, le moment où je décide de descendre, le truc il pète. Allez, décédeur. Wow, 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 wow. Wow, mais attends! Je lui dis d'attendre alors qu'il va pas m'attendre. Il va juste me buter, c'est ça la guerre. Leurs renforts sont en train de diminuer. Après, c'est vrai que c'est un principe un peu con du fait d'avoir moins de postes, de perdre des unités. C'est un peu con parce que en vrai, bah, dans le film, bah, ils continuent quoi. Je veux dire, ils perdent pas d'unités parce qu'ils ont moins de postes, c'est débile. En vrai, c'est vachement désert quand même comme bataille. Regardez, il se passe pas grand chose, il y a personne. R il part. Des tirs dans la tête en plus, dans la tétard. Wow, 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 wow. Bon, j'aimerais bien monter sur ces bêtes là, s'il vous plaît. Je préfère les Wookiees dans Battlefront 1 que... Non, je les préfère pas, mais je préfère leur arsenal dans Battlefront 1 que dans Battlefront 2. Loul. Ouais, super. Entre, on peut pas tirer là, je crois. Wow, my god. Ah, mais ils sont en train de prendre un poste là-bas. On a perdu un poste de commandement. Ennemi repéré. LOL. Leurs renforts sont en train de diminuer. On a perdu un poste. Il y a un ennemi ici. C'est vraiment le TRTT là, on en fait, qui... Ah, oh, c'était le TRTT. Isolé. Attends, mais il n'y a plus personne à l'intérieur. Ah, d'accord. Ah, mais c'est lui, là. Il est descendu. Et il est venu me rect alors que j'ai plus de vie. N'hésite pas à venir, je me dis, peut-être qu'il va... Il va arriver, il va se faire rect. Mais non, pas du tout. Ils sont plus que 18. Ils sont où, les ennemis, là? Bon ben, vu à la vitesse qu'on va, il va y en avoir pour un petit moment, donc lol, ellipse. Harry part. Allez, le dernier. Ah, il en reste 6. Ok, merci pour la vie. Ça m'a fait reprendre que dalle de vie. Cool, on passe sous la dune. Et on ressort. Oh my god. Je passe sous la dune, mais c'est pas français. Enfin, si c'est français, mais je passais pas sous la dune. Là, c'est du commentary de qualité, je peux vous le dire. Oh là là. Oh là là, mais quel commentary, mesdames et messieurs. Je veux dire, c'est fou quand même. Avoir un commentary aussi quali sur une chaîne. Sur une chaîne avec aussi peu d'abonnés. Moi, je vous dis, oh, c'est fou. Hein. C'est pas du tout quali, lol. Bon, bah, victoire à l'aile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était un calvaire. Et voilà. Alors combien de tirs à la tête on a fait? Ah ben merde, j'ai fait terminer.